ses enfants, je crois. نو السلام عليكم الزول في اللون عليكم خالتي خواتاتي ورايا زينب وريان ان اونفون اون في تاع خونا عبد اللطيف اللي درنا عليهم ذاك النهار حمله باش نعاونوا الوالد نتاعهم باش نعاودوا نردوهم واللي خرجوا من كندا بطريقه غير شرعيه ودركا راهم في باباهم راهم في بورسويت جوديسيير كونترمهم اللي راهم حاليا راهم في الامارات هربا بهم الامارات باش يردوا ولادو في ان كومبا جوديسيير تما داخل الامارات على خاطر اونتر الامارات وكندا ما كانش دي زونتونت باش يردوا الناس اللي محكوم عليهم. معايا اختي هاجيره، شكون ما يعرفش هاجيره في مونريال. السلام عليكم الزوج الاول. ومعايا اخويا عبد اللطيف، خونا عبد السلام عليكم. اللطيف شغل المونتاج. بون معنا عبد اللطيف وراه خاو وراه ولادو ريان وزينب اللي ما شافهمش ديبوي 5 اون، وهاجيره اللي واقفه معاه وقفه فريمون ما شاء الله. هاجيره ماشي واقفه غير في هاد الامور، واقفه في كل شيء. ربي يبارك فيك هاجيره، يعيشك. على واش قاعده ديري لا كوميونيتي في مونريال وسيرتو لا كوميونيتي مغربين اون جينيرال سيرتو. و اعطيونا باختصار هكا je vais juste préciser que Abdel Latif c'est un rebeu, alors il va parler plus en français. Il va parler plus en français. Alors mazgoulou nacha ou علاش ما يهضرش بالعربيه وكذا. زايد في فرنسا مسكين، بصح يهضر بالعربيه ما شاء الله. بون شوف، on va essayer de mettre en contexte les gens qui n'ont pas vu votre affaire, parce que votre affaire, je t'ai promis qu'on va faire une émission spéciale sur ce qui s'est passé de A à Z. Mais là, vu que tu es en procédure judiciaire contre la mère qui a pris les enfants sans l'accord des autorités, elle était sous contrôle judiciaire, c'est ça? Exactement, ouais. En 2016, donc le 5 de 2016, donc on apprend par les services canadiens comme quoi qu'elle est partie en fuite du territoire canadien. Donc elle est partie sans on avait un accord judiciaire. Elle est sortie sans mon autorisation et de ce fait-là, j'ai la garde des enfants. Donc depuis 2016, donc on a essayé de la retracer pour savoir dans quel pays elle était. Donc apparemment, elle était partie en Égypte, après Oman, et de Oman, donc après, elle a fini à Dubaï. Et c'est en 2018 qu'on a su qu'elle était à Dubaï. Et là, après, il fallait que Interpol les visite. Donc ils ont fait une visite sociale. Et malheureusement, Interpol, leur mission s'est arrêtée parce qu'eux, ils ne peuvent faire que du social parce qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre le Canada et les Émirats. Donc, il faut engager un avocat pour déclencher la garde des enfants et voir ce que les Émirats, qu'est-ce qu'ils vont statuer par rapport à ça. Au niveau de la justice des marins. Exactement, oui. Voilà. Et donc, l'Interpol, il ne peut rien faire. Exactement. Mais sur le plan judiciaire, ici au Canada, t'as la garde des enfants. Exactement. Ouais. Et il faut que tes enfants te reviennent, c'est ça. Exactement. Je sais aussi que tes enfants maintenant sont à Dubaï dans un statut illégal. Exactement. Oui, on a appris ça par, on a appris ça que comme quoi que les deux enfants n'ont pas de papier et ils doivent une amende qui est multipliée par un montant journalier. Donc je pense que ça doit être 70 $ multiplié par le X. Jour. Donc là, je pense qu'ils ont dépassé, je pense qu'ils ont même dépassé les 30 000 $ chacun. Chacun, ouais. Donc chaque jour qu'ils n'ont pas de papier, c'est pas régularisé. Et donc là aussi, le passeport de Ryan, il est périmé. Donc là, la mère, donc, comme je dis toujours à la mère, il faut vraiment que tu nous contactes. Et même si ce n'est pas à travers moi, elle peut contacter Ajira pour faire une médiation et puis de baisser un peu la tension et qu'on n'est pas là pour, comment ça s'appelle, pour faire mal à quelqu'un, mais on est juste pour rééquilibrer un peu de vérité et puis aussi bien pour sa réputation à elle et puis aussi bien pour la mienne et qu'on prenne un chemin de parent normal. Voilà, le chemin reprend. Voilà. Voilà, Gérard, une petite partie de la procédure, mais le well. من اللي بدا اسمع عبد اللطيف هنا يدير في لابروز ديال الجوديسيال هذه، وين وصلتوا واش درتوا من الاول وين وصلتوا دركا؟ الحمد لله مشينا كومان بزاف غراس للتضامن تاع الناس معانا. المرحله الاولى على خاطر المشكل كاع يتك هنايا قضيه دراهم، فهمتني؟ لانه كاين محامي، كاين
لا باباس ولا تعرف. ومن بعد انا كي شفت الملف تاع عبد اللطيف، سي ان غرو ملف، سي ان غرو دوسي. ومن بعد كي شفناه وشفنا حقره بيور يعني. اي تعلي قوسين برك، باسكو الناس ما عبالهمش باللي تسمى عبد اللطيف دخل الحبس على حاجه ما دارهاش. اوه لا لا، وكان متهم بتهمه كبيره يعني، اكبرهم التيروريزم. ايه زادت تهمو حتى التيروريزم، اكبرهم التيروريزم، باش كوم سي ليمينيوه من فوالا من 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 عائلته. ايه ولا دي بي جي، هذا هو اون جينيرال، هذه الخدمه تاعها سي فير اكسبلوزي لي فامي. وكي دخلت لا دي بي جي على اكسبلوزي، فهمتني، ودخلت امور كريمينال. ومن بعد في اخر المطاف لقاو باللي الي انوسون، و سي سيتي دي فوس اكوزاسيون من المخلوقه هذيك الله يهديها. الوغ وفي هذه المرحله اللي هي خافت، بدات باللي القاضي ومن بعد بصح فوالا كي شافت باللي الامر انكشف وتقدر تدخل للحبس على لي فوس اكوزاسيون، رفضتهم وراحت. كيفاش خرجت من كندا، هذه ما فهمناهاش. باسكو سمح لي عماد، لو كان كيفاش يقولوا العكس، كان العكس، و اون بلوس دي كيبيكوا ماشي دي زيميغران، كانت حاجه اخرى، كانت الزعزع. يا اخي شفت لا ديرنيير فوا لا مامون هذيك اللي الا كيدنابي لي زونفون هنايا في مونريال، سي اون اليرت امبير، الدنيا تقلبات، يبا حكموهم و راك فاهم. الوغ يا دو ميزور دو بوا دو ميزور. اي حنايا واش رانا نديرو دوكا، سي سونسيبيليزي لا كوميونيتي، ورانا نقولو بلي بيرسون ني على لابري، تقدر تصرا في حتى واحد في اي واحد في اي فاميليا. لو كان نحكوا لكم على واش راه يصرا، على بالك ما ترقدوش للي، سي دي كوشمار. الوغ دوك حنا واش رانا نديرو، رانا نطلبوا من الجاليه انه تساعدنا باش نلموا لي فون، باش راح لطيف يقدر يروح لدبي باش يقدر يدير لي بروسيدور. فوالا سي كومبليكي، سي با فاسيل. مي دوكا تيك المشكل اللي عندنا هما قضيه الدراهم. وحنايا درنا ان بروجي سميناه كسكس صدقه، الناس تشري لي بلا دو كسكس، ومن بعد وحنايا نتصدقوهم لي سون زابغي ولا لي ستوديون. كيما هذه المره راح نديرو 100 صحن تاع كسكس، بعنا منهم 60، هذوك 60 راح نمدوهم لي سون زابغي، والربعين اللي بقاو نجيبوهم لعند عماد كاستيل هنايا باش لي ستوديون يجو يدوهم. الوغ الناس اللي راهم حابين يعاونونا يجو، راح نديرو تليفون باش يعيطونا بوغ كوموندي لي بلا. مرحبا بكم، راح تعاونونا بزاف. 40 بلا دو كسكس، شريهم سي سولمون 12 دولار، ونحطوهم هنايا بوغ باش نصدقوهم لي ستوديون. الوغ يجوا لهنا الكاستيل ويدوا لي بلا دو كسكس اللي الناس شراوهم. الوغ سي دو كو، اون بيير دو كو، من جهه تعاونوا رحيم، رحيم، ومن جهه نوكلوا حبابنا، نوكلوا الناس اللي كسكس سخون لانتيديون سا سا فوالا شاك فوندغودي ان شاء الله. اي سي سا قريب لو كوفر فو عماد، بالنسبه لي ما ندخلش لداري. ودرك جوست اون كاستيون، درك وين وصلتوا في الطابع؟ على بالي بلي كاينه اون سوم 10,000 دولار، وين وصلتوا؟ 1400 بالكسكس، ما مازالش بزاف. بالكسكس فوالا ما مازالش بزاف، انا كنت كنوصلوا 9,000. ومام طوم داير كانيوت، داير كانيوت ياك. وي يا لا كانيوت سور جوفنمي اللي حاب يعاون تسمى من برا كندا، من برا مونريال، ما يقدرش يوكل ولا يشري كسكس، ماذا به يعني يعاون خونا عبد الرحيم في هذه جوست بور ريكيبيري سي زونفون اللي صافي 5 ans ما شافهمش، هكذا 5 ans ما شافهمش فريمون. منهم قداش عام هما هنا انت ما تقدرش تشوفهم؟ وكتاش هربت اكزاكتومون المراه تاع ام الاولاد؟ صافي ديبي 2015 تاع قبل كنت عندك لو دروا تشوف غير الوغ جافي ريان. وي با جوست ريان، وي جوست ريان. اي دونك كومون سابيل ريان، جي لي في بوندون جوست ا لاج دو 6 mois
Jusqu'à. Je l'ai vu que 6 mois, en fait. 6 mois. Ouais, 6 mois, en fait. Ouais. Alors, Et bien sûr, Zineb, ça. depuis 2015, je l'ai pas vu. Depuis 2015, Parce qu'ils ont tout fait pour que je la voie pas. je ne la voyais pas. Goulilah, on n'a pas caché Hadi Bar. Goulilah, Zineb. On a la belle, il y a un peu de temps, on a détail. Goulilah, Zineb, ma couche, tu la trouves. Mais parce que la mère, elle a fait une fausse plainte. C'est-à-dire qu'elle a fait une plainte pour violence conjugale, agression sur mineur et incitation à des actes sexuels. Donc j'étais surpris. Oui, exactement. Oui. Au début, moi, je pensais que c'était une fille 16 ans. Je dis, mais je connais personne, je connais pas de fille de 16 ans. Parce que j'ai pensé à tout, mais sauf à ma petite fille. Et quand j'ai appris, que c'était, ils ont fait une brûlure derrière son corps, et comme quoi qu'elle m'a vu, elle a ouvert la porte de la salle de bain avec mon sexe sur la bouche de ma fille. Donc là, ça a déclenché tout un processus judiciaire. Donc au final, pour résultat qui m'a donné zéro, parce que même si j'ai passé le détecteur de mensonges, j'ai participé, j'ai coopéré à 100%, malgré ça, j'ai pas eu un résultat, voilà, un résultat qui m'a permis de voir mes enfants et protéger mes enfants. Voilà. En tout cas, je vais pas prendre parti, mais chez l'Israël Abdelrahim, on va faire une émission sûre. Et vous allez voir, avec le dossier en appui, la justice, mais chez Mgolo, c'était juste hallucinant. C'est quelque chose que les chevaux filment, honnêtement. Alors, on fait un dernier rappel parce qu'on a un couvre-feu. Chaque vendredi, Hajira Kaima Biha Allah Ibarak C'est pas Aliha, l'heure de on l'ordinateur. fait. Hein? Il est 6h43. Ah oui, c'est vrai, c'est pas 7h40 comme tu fiches là. Hein? Ok, c'est bon. Ouais. C'est ça, Hajira s'occupe de ça. Pratiquement, ils font 100 plats de couscous par semaine, ouais, par semaine. à À chaque chaque semaine vendredi. pour la cause de Ryan et Zineb. En fait, ils ont le choix, faire une commande par Interact pour donner aux nécessiteux, pour donner à faire une sadaqa, ou soit venir Chercher le au couscous. marché Castel et Ouais. voilà, c'est Donc la même là, on chose. est là, on va exposer ça. Les habitants, il faut le castel. Il y a le plat où les étudiants, il faut des étudiants. Ça sera bien tenu, juste pour aider notre frère C'est parfait, Abdelrahim. ouais. Inch'Allah, en Karib, il ira à Dubaï où la justice des marats, Inch'Allah, elle va coopérer ou Djiblo, Elle va rendre justice, Inch'Allah. Exactement. Ryan, après ça, nous aussi, on va faire des scandales. Le gouvernement canadien, québécois surtout, qui n'a pas bougé, qui n'a pas Oh, bougé que le oui, petit doigt. Ahmed. Qui n'a pas bougé le petit doigt. Et j'imagine vraiment, hein, j'imagine, si c'était, mettons, si c'était, c'est-à-dire Abdelrahim qui a pris les enfants et a fui à Dubaï avec une mère, mettons, québécoise, qu'est-ce qui aurait Oh là passé, genre? là. Ah ouais. Oh là là. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est Abdelrahim, c'est la phase litmate à l'iceberg. Exact. Oh, non, Rimed, et je profite l'occasion avec notre communauté ici à Montréal, au Québec. On a des dossiers de Hagra. Et c'est grave, c'est très grave. C'est pour ça qu'il y a plusieurs hommes qui se suicident. Il y a plusieurs femmes qui sont dans une phase de suicide aussi. Ils ne vont pas aller jusqu'au suicide parce que des mecs, ils font l'oubli d'être hommes. Mais qu'il y a un hagra. Quand Regarde, des fois, il n'y a même pas de problème. Tu prends la DPJ ou il y a un problème. je peux vous donner plein de dossiers. Exactement. Et même Voilà. à l'accouchement, ils se font prendre leurs enfants. Oui. À l'accouchement, à l'hôpital, la mère à l'accouche, il dit, ah, la mère, je pense qu'elle a un problème Un problème psychologique. psychologique, l'attachement émotionnel trop affectif avec Oui, si l'enfant. tu es trop affectif, ils vont Affectif. l'enlever. Ils Elle vont est trop protectrice. protection, des trucs qui sortent de l'ordre impensable, impensable. Je sais, dans notre communauté, c'est pas connu, hein. Pourquoi? Parce Parce qu'on que aime les la gens, broche. Parce qu'ils n'en on parlent parle pas. pas. Ils n'en parlent pas. Voilà pourquoi j'aime Abdelrahim et
parce qu'il est. Voilà, c'est la honte. La honte, Aïba, mais après ça, on trouve genre des gens qui ont tué leurs femmes et leurs enfants. Exactement. Des gens qui se suicident. Mais... Et on ne bouge pas le petit doigt, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ils ont réussi à diviser les gens. Le fait que les médias ou le gouvernement ne parlent pas de ce problème-là, ils ont réussi à nous diviser. Je dénonce aussi les médias québécoises. Ouais. Je les dénonce, je l'ai dit plusieurs fois. Ils sont contre leur population. Ils sont contre la population. On les a appelés pour plusieurs dossiers. C'est des gros dossiers. Ils n'ont même pas bougé le petit doigt. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'il y ait le silence total. Parce que le gouvernement... C'est leur source de paiement. Aussi, ils il y a. Pas, ils ah oui, pas, il y a tout un. Après, derrière, il y a tout un système financier. C'est ça. Leur employeur, quoi. Exactement. Et ça rapporte de l'argent, parce que quand tu places des enfants, par exemple, s'il a un problème psychologique, ils appellent ça TDAH, ou, etc. Ouais, tout le monde TDAH, et ça vaut 40 000 dollars pour la famille d'accueil. Si l'enfant n'a pas de problème, c'est 20 000 dollars par année. Enfin, bon, c'est tout un système financier. Mais je pense qu'on aura l'occasion. C'est une grosse machine. On essaie de détruire le symbole de la famille. Et tout le monde coopère pour que ça se passe comme ça. Exactement, exactement. Et nous, avec notre silence, on coopère aussi. Exactement, voilà. exactement. Et je vais dire à tout le monde, à tous les gens qui nous écoutent, c'est pas parce que tu vas coopérer avec la DPJ ou la justice que tu vas avoir gain de cause. Exactement. Jamais. C'est encore pire. Si ils prennent vos enfants, c'est fini. Ils vont trouver tous les prétextes inimaginables pour le mettre en famille d'accueil. Oui. J'ai vu des parents québécois qui, ça fait 7 ans qu'ils se battent. 7 ans, j'ai dit non, c'est impensable. Il y a un parent, c'est 10 ans. Wow. 10 ans. N'importe quel parent aimant, sincère et honnête qui aime ses enfants, c'est comme l'enfer. Exactement. N'importe quel parent se battrait, il fera tout pour le sauver. Pour leur dire, regarde, je suis là, je ne veux pas t'abandonner. Ils font tout pour séparer. Ils se disent, quand le parent contribue, d'accord, contribue, les enfants sont déjà mis dans une famille d'accueil, les parents contribuent et tout, qu'est-ce qu'ils disent? On ne peut pas enlever les enfants de la famille d'accueil. Exactement, parce qu'ils se sont attachés. Une stabilité, il y a un attachement. Alors, on ne peut pas. Quand tu remplis toutes les conditions, si bon, tu fais revenir tes enfants, et après dire le lien. Tu te dis, il faut pas changer le climat pour les enfants parce qu'ils sont comme ils sont. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, on a des dossiers pareils. C'est de la torture psychologique. Et en plus, je vais le dire à notre communauté, quand la famille elle est toute seule, ils sont broyés, écrasés. Quand c'est un organisme derrière eux ou des personnalités qui sont connues dans la communauté, le discours change. Alors, il faut soutenir. Il faut parler de ça. Il faut parler. Il ne faut pas se taire. Oui, il ne faut pas avoir peur. C'est un droit. Oui, c'est ton droit de réclamer tes droits. Et le plus important, c'est que notre communauté, elle est tout le temps silencieuse. Malheureusement. Et elle travaille pas en coordination, genre toutes les communautés. Je sais qu'ils ont comme des associations pour justement ces cas-là, aider, entendre les familles qui sont en difficulté psychologique et tout. Oui, mais tu sais, Emel. Je te dirais que le problème de la DPJ, tu sais, c'est tout le monde a peur de ce dossier-là. Tout le monde. C'est pas parce qu'il y a la honte et la peur. Il y a les deux en même temps. Non, la DPJ, c'est un bon, vraiment. Oui. Même si tu vas aller voir les députés, on a appelé des députés parce que chaque mois on faisait un rassemblement pour dénoncer, pour manifester. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de monde. Et quand on appelle les médias et les députés, il n'y a personne qui répond. Ah oui, non, parce qu'ils ne veulent pas entrer contre la députée. Pardon, je donne une expérience d'un de nos adhérents ou de nos... comment ça s'appelle ? Les familles qui... Oui, voilà. Lui, en fait, sa femme l'a accusé au criminel. Il a réussi, la couronne l'a acquitté de toutes les charges, d'accord ? Donc, mais par contre, il y a eu un signalement d'une... Il a des enfants, il est marié, hein. Donc, il y a eu un signalement d'une psychologue de l'ECSC, elle a fait un signalement à la DPJ
D'accord? Des enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les enfants, ils les ont mis, ils ont interdit que le père les voie. D'accord? Et la mère, elle a fait une plainte à la DPJ. La mère, elle a fait une plainte à la DPJ pour attouchement sexuel, qui date de 2 ans. Donc, le père vient d'être acquitté pour d'autres accusations et la mère, elle rembarque de l'autre côté. Avec la DPJ, la DPJ, elle dit, ah ben chez nous, c'est pas parce qu'il était acquitté au criminel que nous, c'est plus une probabilité. Donc tu repars toujours encore et encore et encore. C'est un On a cercle fait infini. ce que je suis en train de faire, c'est collecter les témoignages des familles. J'ai une famille, elle a accepté de témoigner à un visage couvert et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment choquée. La DPJ, ils l'ont dit, on ne cherche pas la vérité, ça ne nous intéresse pas. C'est l'interprétation de l'enfant. Si l'enfant il a dit que je suis maltraité par ma famille, c'est parce qu'il est maltraité par la famille. Même si, oui, Mais le ils 4. l'ont dit, ils l'ont dit, on n'a pas besoin de vérité. Alors la madame, elle a dit, alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si l'enfant, il veut se débarrasser de sa famille. Hein, parce qu'il est devenu jeune, il veut sortir, il veut faire ça. Ok, tu veux pas que je sorte, tu veux pas que j'ai des amis, tu veux pas que je fasse ce que je veux. J'appelle la DPJ. Ouais, il y a La la culture DPJ, aussi là, après. ma famille me maltraite. Ce qui n'est pas vrai. J'ai accompagné la famille, je connais la famille. L'enfant, il a menti. Et après, l'enfant, il a dit oui, c'est parce que je voulais avoir plus de liberté. Tu vois? Parce que même si tu dis la vérité, pour eux, ça compte pas. Ce qui compte, c'est Et ce que ils l'enfant te et en a fait déclaré. et Ça, c'est eux grave, est-ce qu'ils font eux, Rina. en 3 rendez-vous ils font, parce qu'il y a toujours 3 d'abord ils font les 3 rendez-vous parce qu'il y a orientation et comment ça s'appelle ces deux enfin bon c'est trois sur ces 3 rendez-vous une fois qu'ils ont fini leur rendez-vous ils disent mais nous affirmons que vous l'avez fait Ouais. l'attouchement sur votre fille ou vous êtes l'agresseur de votre fille. Mais madame, comment vous faites? Les enquêteurs, la SPVM, la FBI, il leur faut 1 an, 6 mois pour récolter la preuve. Non, non, mais nous, on n'a pas besoin de passer par là. Oui. Ils n'ont pas besoin de passer par là. Il suffit que la travailleuse sociale affirme, ça y est, t'es Oui, foutu. ouais. C'est à Même toi le maintenant, tribunal. et après, c'est à toi de prouver. C'est normal, tu veux Mais prouver même. ce qui n'est pas vrai, donc tu déclenches des experts, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de Mais même l'argent. le tribunal, le tribunal, il dit à la À la discrétion discrétion. de la DPJ. Ouais. Et ça, c'est grave. C'est très grave. En fait, Écoute, c'est le bal ouvert. on peut rester jusqu'à demain pour donner Pour des parler. détails. Hein? Il y a des choses que beaucoup de monde ne le savent pas. Et c'est quand tu tombes là-dedans que tu vas. Par contre, là, en une année, on a 2 fillettes qui sont mortes, abattues par leur père. Exactement. Hein? Exactement. Alors que la DPJ, c'est déjà mis dans les Exactement. dossiers. Oui. Exactement. Ah ben là, on comprend rien. Là, on comprend rien. Comment Oui. ça se fait qu'elle n'a pas été enlevée? Parce Exactement, qu'il exactement. voulait que l'enfant reste avec son parent biologique. Hein? Mais jusqu'à maintenant, on n'a Ben, pas vu disons. que les enfants restent avec les parents biologiques des immigrants. Un Il y a. immigrant, tout de suite, non, t'es pas capable Ou sous, il y a aussi, famille d'accueil, allez. par Voilà. exemple, le parent aimant. Le parent aimant, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On le met à l'apparent agresseur. Ouais. Le sens Pourquoi? inverse. Mais pourquoi? Tu Et sais pourquoi? Parce que le parent agresseur, il est plus sage, il n'a pas d'alignation Ah, parentale. un affectif attachement. Tu vois, c'est C'est tout le. Il retourne. Donc, si on dit ça en 2 mots, il y a tout sauf la logique C'est ça, là-dedans. Il y a tout sauf la exactement. logique. Exactement. Il y a La tout notion du sauf la doute et la logique. logique, le bon sens. Voilà, le bon sens n'existe Il pas. n'existe Non, pas. il n'existe pas. Et ça, c'est important de Ils le sont dire. toujours Hein? dans la négociation. Voir l'agent de la DPJ s'il a bu son café ou non, puis S'il t'aime, s'il t'aime pas. Exactement, Ça exactement. dira, S'il t'aime. j'aime pas ta face, j'aime Exactement, pas ta exactement, façon de exactement, parler. Regarde, je exactement, suis exactement. avec une jeune qui est placée dans une famille d'accueil. Elle n'est pas musulmane, la famille d'accueil. La fille, elle est musulmane. Elle est mise dans une famille non musulmane. Ça, c'est hors la loi. Ils n'ont pas le droit de faire ça. D'accord? Et
j'essaye de parler avec elle et tout. Et je lui dis, ok, à ton avis, pourquoi ils ne t'ont pas mis dans une famille d'accueil musulmane? Elle m'a dit, écoute, je les ai entendus parler, ils ont dit que les familles, surtout musulmanes, surtout les hommes, ils sont trop... trop violent, trop excité, des préjugés, trop, c'est ça, c'est des préjugés, ouais, une étiquette, oh, une oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent, ils ont une étiquette de départ, ils commencent avec voilà. Ça, oui, c'est pour ça, regarde, c'est pas parce que excuse-moi de te couper, pour te dire, il y a un psychiatre qui est très connu, c'est Dr Mayou, et une époque, c'était en 2012, il avait dit que les Maghrébins, c'était des cannibales. Ouais. On peut retrouver la vidéo, ouais. il est passé, bon, tu vois un peu le préjugé, donc ça laisse dire tout ce qu'il y a derrière. C'est... Les femmes immigrantes, elles sont soumises, et les hommes maghrébins, ils sont très violents, très possessifs, Et je vais te montrer, Ahmed, la vidéo que j'ai mis. Tu vas être bouleversé. Ah oui. Ah oui. La madame là, alhamdoulilah, le dossier il est fermé. C'est pour ça qu'elle a osé parler. Mais même ça, hein, tellement elle l'a dit, elle le dit. Ah, ils ont, elle on est a peur. Traumatisée. Traumatisée. Il te détruit, ta dignité, il te détruit comme homme, il viole ta vie, il te détruit comme femme, comme mère, ouais, tu es moins que rien, ouais. Tu es moins que rien, même si tu veux élever tes enfants, les éduquer, si un enfant, il veut plus de liberté, il appelle la police, il appelle la DPJ, et là tu peux rien faire. Oui, il sait qu'il va avoir tous les droits. Alors comment vous voulez qu'on élève nos enfants? Comment vous voulez? En enlevant l'autorité parentale. Et détruire les familles. Et pour rebondir à ce que tu as dit, il suffit que l'enfant parle, d'accord? Et c'est le témoignage de l'enfant qui est. On ne le croit pas sur parole. Mais dans certains contextes, j'ai un père, je connais, la fille, elle veut absolument revenir avec le père, elle dit non, il ne faut pas l'écouter, il faut rester avec la mère qui est alcoolique. Non, mais c'est vrai, l'histoire, elle est réelle. C'est un truc, mais rien ne tient la route. C'est ça, je t'ai dit, il y a tout sauf la logique. Et en plus, Ahmed, moi je suis dedans là, je fais des accompagnements. Ouais. Si des fillettes de 20, 22, 23, qui vient te voir, t'asseoir et te dire ce qu'on va faire avec tes enfants. Elle n'est même pas mariée, elle n'a même pas des enfants, elle n'a même pas d'expérience. C'est une intervenante. J'ai été dedans. Et il y a des choses que je ne peux pas révéler, mais Inch'Allah, je vais le faire. J'ai peur de personne, là. Je vais le dire. Ils ont fait une grosse erreur. Je peux les poursuivre pour ça. Mais parce qu'il y a deux poids, deux mesures, hein, c'est parce que la famille, elle était accompagnée. Et j'ai fait la pression, ils ont détourné la loi. Ah oui, maintenant tu peux le faire, tu peux détourner la loi. Pourtant, c'était à notre faveur, alhamdoulilah. Mais pour te dire, et tu l'as bien dit, il y a tout sauf la logique. Ah ouais. Je me rappelle avec l'intervenante, j'avais ressenti cette situation très vite au deuxième rendez-vous. J'ai dit, il y a deux types de catégories d'humains sur cette terre. J'ai dit, il y a les gens du bon sens, d'accord? On va travailler dans la logique, on va travailler pour la vérité du... Comme elle a fait la justice dans ton cas, par exactement, exemple. Ouais, exactement. Elle a suivi les allégations contre toi, et après, elle t'a acquitté. Exactement. Et elle, quand je lui dis que la deuxième catégorie, c'est les gens de l'abnégation du bon sens, d'accord? Ceux-là, eux, ils vont créer plus de problèmes pour que tout le monde s'y perde, que là, tout le monde s'y perd. Ouais. Et là, elle est devenue rouge... Je crois qu'elle a me tué. Ah ouais, et elle n'a pas aimé. Donc après, j'ai vu qu'elle commençait en colère. Je dis, bon, je pense que je vais commencer à me calmer. Mais ils nous tiennent aussi par les enfants. Donc on ne peut pas trop... On n'a pas de largesse. Tu veux défendre ta dignité, Ben, on y prend en otage. Oui. Ils te prennent en otage. Ah, tu veux tes enfants? Soumets-toi. Et là, on part dans un processus psychologique qui est très humiliant. C'est comme tu es dans le désert et... Entre nous, t'as pensé à se suicider? Ah oui, plus d'une fois, oui, bien sûr. Ah non, plus d'une fois, parce que c'est toute ta nature d'homme, déjà, et ton image.
ton honneur, tu sais bien, toutes tes valeurs que tu construis depuis tes gamins, etc., que d'un seul coup, là, c'est clair, tu as envie de. J'imagine que tu as passé tous les problèmes psychologiques qui peuvent exister, genre. Ah oui. Dépression, Ah oui, tout, tout, tout. tout. Ah oui, tout, 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 tout. Il voulait même à un moment donné me faire un truc sexuel avec une machine, me l'attacher auprès du sexe, devant un psychologue. Je dis, mais oh, je suis pas pervers, je suis pas. Parce que j'ai rencontré des avocats qui voulaient que je passe ça. Je dis, mais oh, attendez, là, vous allez où, là? Non, 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 je suis quelqu'un de très normal. Et tout, je suis traumatisé, oui, mais pas à ce point-là. J'ai dit, gardez les pieds sur terre. Des fois, ils ont. Enfin. Voilà, un peu, c'est un peu tout comment s'appelle, le périple humain. Mais ouais, c'est ça quoi. Donc c'est vrai que j'encourage les gens vraiment à témoigner, n'ayez plus peur, n'ayez plus peur, parlez, parlez, puisque c'est un médicament de parler. Oui, Parce c'est vrai, que c'est si vrai. vous parlez pas, vous restez entre quatre murs, vous Vous allez, allez faire du mal. voilà. Et le fait de parler, moi, regarde, de rencontrer Imed et surtout Ajira et tout ça qui me prennent sur leurs épaules, déjà, je veux dire, c'est un souffle, c'est une bouée. C'est une bouée pour moi, c'est une bouée. Et c'est une bouée. Et des fois. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide. Ouais, je sais. On essaye Et des de. fois. Ça, ce que tu vois, hein, Gira, ce que tu vois pas, c'est. Je suis certain qu'on a des centaines de familles, C'est au ça. moins Oui. maghrébines, qui souffrent de ça C'est, et et qui... Oui. ils sont sous silence. Exactement. Même la police, moi je dénonce la police, Ahmed. Ah oui. Je dénonce la police. Le monsieur, il a été. Sa femme, elle a appelé la police. Le monsieur, il est rentré. Il n'a pas trouvé ni sa femme ni ses enfants. La police l'appelle et lui dit, tu restes là, on arrive. Lui, il est tellement choqué. Il lui dit, non, 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 je vais venir. C'est pas la peine. Parce que dans sa tête, les enfants vont venir, ils vont voir la police embarquer ses enfants. Il ne savait pas que tout a été déjà réglé. Il est parti pour voir la police et là, il est sous le choc parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Je lui dis, est-ce que tu t'es battu avec ta femme cette journée-là? Il m'a dit, Wallahi, non. Je te jure, Adjira. Je te jure. Il était content parce qu'il a décroché un travail. Alors, il est parti à la maison pour dire, j'ai décroché. C'est quelqu'un de haut placé, hein. Il a fait des études. C'est pas n'importe qui. Et là, il est parti à la police, il est choqué, tout le monde, parce que la police lui dit que, inquiétez-vous pas, votre famille, elle est en sécurité. Ok, elle est en sécurité où? On ne peut pas vous le dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Mais il ça a est. été le même cas pour moi parce En tout cas, il que était dans le choc. Et hein là, il a dit, écoutez, où est-ce qu'ils sont mes enfants? Je vais pas bouger d'ici tant que vous me dites pas où sont mes enfants. Et là, ce qui s'est passé, Ahmed, ils l'ont menotté, ils l'ont poussé par terre, ils l'ont frappé, et ils l'ont poussé dans la voiture de police pour l'emmener dans un endroit. Et ils l'ont tellement Ouais. dégoté que Ça laisse des marques, quoi. il a des photos, ça a complètement. Ça laisse des C'était marques, vraiment ouais. les Ouais, scotchés, même ouais. son Épaule. épaule, elle était quand même un peu décrochée. En tout cas, ils l'ont insulté. Il y a un haïtien policier qui lui a dit, retourne chez toi, sale chien. En tout cas, quand il m'a raconté tout ça, j'ai pas pu dormir là. Regarde ce que. J'ai des habitudes, pas vraiment des bonnes habitudes. Quand je vois qu'il y a des hogar comme ça, je dors plus là. Et le monsieur, là, il était vraiment arrivé à l'étape où il va se suicider. Mais alhamdoulillah, c'est toujours la foi qui nous. Ben exactement, C'est la foi ah ça qui c'est nous la tient. foi, ouais, c'est la Et foi, là, ouais. il m'a contacté parce qu'il est tout seul. Depuis qu'il est en contact avec nous, ça va, ça commence vraiment. Il apprend aussi un petit peu à prendre confiance, mais ce que a fait la police avec lui, moi, personnellement, je vais le dénoncer, parce que maintenant, il a peur. Il n'a Il pas est trop. poursuivi la police, Non, il n'a non. pu rien faire, mais Inch'Allah, on va le soutenir et on va Parce que l'encourager à dénoncer, tout, même parce que à c'est visage couvert, c'est pas grave. Mais ce qui se passe dans la DPJ, dans la police, c'est. Parce que c'est un problème financier, parce que pour avoir gagné pour que la La justice soit faite police. et pour se laver sa réputation, redemander réparation, le problème c'est que tout coûte cher.
tout coûte cher. Donc je me dis, est-ce qu'ils en profitent de faire toutes ces bavures? D'accord? Parce qu'ils savent très bien que sur 10 citoyens, il y en a un qui va pouvoir se défendre. Donc ils ont une largesse de faire toutes les bavures qu'ils veulent. De toute façon, il faut de l'argent pour poursuivre. Donc, pour poursuivre la SPVM. Tu vas poursuivre la ville. Ouais. Exactement. Tu vas poursuivre la ville en plus. Ouais. Bonjour, ça les comme ça. Quelle belle surprise. Donc c'est à peu près 5000 dollars pour poursuivre la SPVM, voire plus 10 000 dollars. Donc c'est pas des sommes. Exactement. Donc les gens se découragent. David avec le Mogel là, c'est facile. Ouais. Parce que pourquoi il a réussi? Parce qu'il a enlevé sa peur. Exactement. C'est ça le problème de notre communauté. Ils ont peur de tout. Ils ont peur qu'on s'attouche leur dignité. On ne veut pas raconter en plein public. Il ne faut pas que ça sorte de notre zonage de maison. Zitna Fidgigna, Anarsluk Shinavi. Voilà, exactement. Hier, j'ai parlé des étudiants, justement. J'ai dit, il faut dénoncer ça. Même nous qui ne sommes pas touchés, il faut qu'on dénonce, nous les premiers. Pour ça, sinon ça va arriver pour que ça soit contre nous-mêmes qui sommes ici depuis des années. Mais le fait de parler, dénoncer, déjà, c'est énorme. Moi, c'est pour ça que je respecte. C'est énorme. Oh, moi aussi, c'est un grand courage. Wallah, merci, c'est grâce à vous. Hein. C'est énorme. Vous avez vécu sur 10 ans maintenant? Ben, 5 ans, on est 2015-2020, donc wow. 5 ans. Donc, 5 ans, 5 ans. Et en plus, le plus dur, c'est de. Ben voilà, j'ai un futur. Et j'ai un futur, donc je dois continuer à vivre. Ouais. Et continuer à respirer, à être un être humain comme tout le monde. Et c'est dur. Bravo. C'est dur. Bravo, et lâche pas, et on est avec toi. Inch'Allah, la communauté, elle va s'embarquer. Inch'Allah, j'en doute pas, c'est juste comme je t'ai dit tantôt, la communauté, elle est dépassée. Elle est éparpillée, Mskina. Ouais. La communauté, elle est éparpillée, que ce soit l'Algérien, le Marocain, le Tunisien. Ouais. Mais Inch'Allah, tout le monde va être là. Déjà, si elle achète le couscous chaque vendredi, ça va aider beaucoup Abdelrahim pour sa cause, Inch'Allah. Un dernier mot. Rimed, merci beaucoup. Marouane, Rabbi jazikoum belkhir, inshallah. Ce que vous faites, c'est extraordinaire. On est tous rana asbab, rana asbab pour aider les mahgourin, parce que bzaf les mahgourin hnaya. Wa hnaya, kifach ygoulou, les immigrants, on est des guerriers. On dénonce, et on va dénoncer, que ce soit la DPG, que ce soit la police, que ce soit les hôpitaux. Parce que les hôpitaux aussi, on a des histoires d'hôpitaux. Hein. Il y a les mosquées. On dénonce les mosquées. Hein? C'est un autre volet. Voilà. Mais tout ça, regarde, c'est un tout. C'est lié. C'est impossible. Allez, goulouli Hadjira, tu Je ne peux pas, tout est lié. Mais on est une belle communauté, je suis fière de ma communauté. Et on avance, on ne va pas lâcher. Merci Rima, c'est gentil. Un dernier mot. Je veux remercier toute la communauté. Et puis Adjila, comme je t'ai dit toujours, les éloges, je pense qu'il y en a beaucoup maintenant. Et voilà, sachez-le, que ce soit 5 dollars, 20 dollars, tout peut faire la différence. Et le but, c'est que ces enfants, je puisse les sauver, les sécuriser. Et que je puisse leur donner un futur. Et voilà, mon combat peut être le vôtre. Et n'importe qui, quand on lui enlève les enfants injustement, n'importe quel père, n'importe quelle mère va traverser le monde entier pour les sauver. Donc voilà, Inch'Allah que cette cagnotte va augmenter et puis que ça avance pour le bien, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Allez, je m'arrête pour le retour de Tarayan ou Zineb. Jamais sont mes enfants. Inch'Allah, nous allons être l'ouedhom. Biram Halien fait Dubaï depuis des années. Ou Abdelrahim, il veut vraiment les récupérer à tout prix. Parce que c'est un père qui veut vraiment vivre avec ses enfants. Inch'Allah, mais qu'on va le faire.
Inch'Allah, يكون un début pour que la communauté se prenne en main. Inch'Allah, تعود تدافع على حقها وما تخليش حقها juste parce que je ne sais pas pour n'importe quelle raison. بارك الله فيكم ومرسي beaucoup.